Hey, salut à vous les amis, c'est Brian JPOG et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un solve du RexCube. Alors, vous allez voir que peut-être j'ai une voix un petit peu fatiguée, c'est parce que c'est la troisième fois que j'essaie de tourner cette vidéo. Parce qu'une fois j'ai pas eu de place dans le téléphone et une autre fois c'est parce que j'ai eu un problème en fait de caméra, voilà. Bon, là ça va aller mieux du coup. Et ce cube là, donc je le précise parce que je l'ai déjà dit dans les deux autres vidéos, mais ça a bugué. C'est un LanLan, donc c'est un LanLan Rex Cube. Il tourne plutôt bien. Hein. Et je voulais vous le mélanger en vidéo, mais voilà quoi. Hein, ben, du coup, il était déjà mélangé vu que j'ai eu des problèmes et tout. Et voilà. Donc je vais commencer le solve sans plus attendre. Et je vous ferai peut-être une petite récap de ce que j'ai fait à la fin de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Thank you.
on vient de dépasser les 4 minutes, hein, c'est pas un temps très terrible du coup. Donc vous le voyez, hein, 6 minutes 01, donc c'est plutôt mauvais, il faut le dire. Hein. Enfin mauvais. Dans un sens où ce n'est clairement pas du tout mon record. Mon record, je pense que c'est dans les 3 minutes 20, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ou un truc comme ça, voilà. Bon, vous aurez vu un petit peu au moins les étapes de comment faire un Rigscube en vidéo. Mais peut-être pas que vous... Ce n'est pas encore le tuto, bien sûr, hein, je le ferai. Mais sinon, en gros, ben... On fait un dinocube en fait, tout début. Donc on place que les arêtes comme ça. On ne se fie pas en gros à la croix au début. Ensuite on place les centres et on finit par placer les arêtes. Et vous voyez que des fois j'étais comme dans ces situations là. Non, on va pas faire ça, Petit pop, rien du tout. C'était. Dans ce genre de configuration là, vous voyez, il m'en reste, il y en a un là et un là. Et il fallait que je les échange, sauf que il fallait que je trouve en fait la partie à échanger et je ne trouvais pas forcément tout le temps au bon moment la bonne pièce et du coup c'est ce qui fait ce temps là. Mais sinon sinon ce cube, franchement je dirais qu'il est de niveau moyen, on va dire. Moyen dans le sens où il est assez dur à se repérer et à bien trouver comment il fonctionne. Mais sinon, en termes de résolution et d'algorithme, il est très facile. Hein. Comme vous l'aurez peut-être vu, pour faire le Dino Cube, il faut qu'un seul algorithme précis, on va dire. Parce que pour replacer ces arêtes-là, c'est intuitif. Pour faire ça, le deuxième étage, c'est aussi intuitif. Il n'y a que pour le troisième étage, j'aurai un tout petit algorithme très simple à faire. Ensuite, l'autre algorithme, en gros, c'est ça. Tout au long, vous voyez, en fait, on va échanger des parties du cube afin de le résoudre. Et ça va être comme ça un peu pour tout. Après, c'est que de intuitif. Voilà. Donc, j'espère que malgré ce temps assez mauvais, la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, ça fait toujours plaisir. À aimer et partager la vidéo. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut !